déjà essayé de faire du tire-fesse dans un bus à Limoges en plein été. Non, parce que moi je l'ai fait là ce week-end. Ça s'appelle Trolleybus. Alors, franchement, ça a testé. Apparu à Rouen en 1933, le Trolleybus est un bus doté d'un moteur électrique. Pour le faire tourner, il est relié, grâce à des perches, à deux caténaires, un positif et un négatif, situés juste au-dessus de sa tête. Les lignes aériennes envoient un courant de manière continue, ce qui permet d'alimenter le bus et donc de le faire avancer. Son fonctionnement est en fait très proche du tramway, à la différence qu'il n'y a pas besoin de rail. Les trolleybus sont généralement équipés d'un moteur thermique auxiliaire, leur permettant de rouler hors du réseau électrique. C'est toujours pratique en cas de panne, d'accident, ou encore pour rentrer au dépôt, ou quand il y a une coupure de courant. Aujourd'hui, le trolleybus de Limoges fait partie des trois derniers trolleybus en circulation en France, avec celui de Lyon et Saint-Étienne. Ce mode de transport tend à disparaître au profit des tramways, alimentés par le sol, qui évitent les inesthétiques écheveaux de câbles. Sur ce, si vous souhaitez faire un tour de trolleybus avant qu'il ne soit trop tard, je vous donne rendez-vous à Limoges. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de poser vos questions à l'adresse ci-dessous.